Ils peuvent continuer comme ça. Tiens, voilà leur carte. Merci. Et tu crois que ça pourrait m'être utile? Tu verras, ils ont des résultats. Et ça te fera du bien. En plus, tu restes anonyme et vous êtes en groupe. En groupe, tu dis? Bonjour, je m'appelle Gilbert. Je suis là parce que j'ai rechuté. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Ça fait 15 jours que je tiens. Je suis fier. Vous vous rendez compte? Un mois que je ne suis plus tenté. Et moi, ça fait 5 jours que je pense aux autres. Eh bien, je vois que cette thérapie groupe vous a été profitable. Gilbert, lui, a un peu plus de chemin à faire, il va falloir vous l'aider. Oui, mais dans cette société, il y a trop de tentations, toujours des tentations. Je sais pas si je vais y arriver. Sébastien, racontez-nous votre parcours, comment êtes-vous arrivé là? Bien, il y a trop d'exemples autour de moi. J'ai été élevé là-dedans, j'ai été pris dans l'engrenage. C'est possible. Il y a une alternative. On ne peut pas vivre uniquement pour se faire plaisir et pour s'en nourrir. Mais moi, j'essaie tous les jours. Hein. Faut que je m'affirme à chaque fois que je suis dans un groupe. C'est toujours tout bénéf pour moi. Moi, j'ai déposé un brevet contre les maladies génétiques. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai récupéré un max de blé. Mais on était deux sur le coup. Mon associé a fait une tentative de suicide. Il comptait là-dessus et je l'ai déçu. Oui, mais en même temps, on sait bien que de nos jours, l'argent fausse les rapports avec les autres, malheureusement. Ben, d'ailleurs, j'avoue, le suicide, j'y ai un peu pensé aussi. Après avoir coupé les ponts avec ma famille et mes amis, je me suis retrouvée seule, dans la difficulté, éloignée de tous aussi. Et je n'ai voulu vivre que pour moi-même, quoi. Super. Mais casse-toi! Mais faut vraiment que tu ailles faire soigner, toi, hein. Écoute, si j'ai pas envie de les voir, ça me regarde, d'accord? Et toi, c'est pareil, j'ai plus eu tort non plus. Et puis t'as rien à me dire d'avoir fait ce que je veux, c'est assez bon. Hein. Prends les clés de chez toi, je ne remettrai plus jamais les pieds, plus jamais, t'entends? Un whisky, s'il vous plaît. Oh là là, on peut plus respirer. Oh mais, c'est pas possible, même en plein air, j'en prends plein la figure. Je vous dérange peut-être, non? Oui, ça m'embête, oui. On a fait des lois justement pour des gens comme vous, qui sont un peu courtois. Bon, qu'est-ce qu'on se fait après le resto? C'est sympa. Ah, on a pris les maillots. C'est bien. Là, il y a un peu. Je suis d'accord. On divise en 5. Oh, c'est pas cher. Ouais, carrément. Et puis, c'est plus sympa comme ça. Ouais, moi, sympa aussi. Pas de soucis. Ouais. Non. Moi, je suis pas d'accord. On paye chacun sa part. Moi, j'ai pas mangé la même chose que vous. J'ai pas pris l'apéro, j'ai pas pris le vin, donc je paye ce que j'ai mangé, c'est-à-dire la salade niçoise et la crème brûlée. Tu me payes le café, hein? Hein, si tu veux. Garçon! Tu te
rends compte un peu? Les non-fumeurs, il faudrait qu'ils restent à l'intérieur, même l'été. Je ne supportais plus de vivre avec les autres. Regardez ce qui se passe quand il y a des grèves. Oui, mais c'est un constat de tous les jours. Vous devez y mettre du vôtre pour faire évoluer la situation. Le combat que vous menez ici ou à l'extérieur est un véritable fléau. C'est un bon exemple dans mon boulot. À la SNCF, tous les prétextes sont bons pour nous attaquer. Hey. Moi, la dernière fois qu'il y a un raffinerie dans ces grèves, je vais dire une chose. Moi, j'avais fait mes réserves. Ça aurait pu tenir un mois comme ça. Vous avez de quoi tenir, je peux le dire. Et vous faites toujours en grève? Moi, je défends toujours mon outil de travail. Et c'est aussi pour votre confort, pour votre sécurité quand même. Du charbon? Une menthe à l'eau, s'il vous plaît. Hey, tu me remets la même, s'il te plaît. Je vais te dire une chose, moi. À partir du moment où je suis dans le train, moi, quand il part, vu qu'il reste à quai, j'en ai rien à chier. Rien. Eh bien, il y en a qui auraient bien besoin de nous rejoindre. Je suis contente de nos séances, de partager avec les autres. Oh ! Je ne respectais plus rien. Oh, tu as vu Carmen? Laisse tomber. Eh oh, mais non, c'est pas grave. On va faire la queue comme tout le monde, là. Même incroyable. Cette expérience m'a montré que on n'était pas seul. Et puis, ça m'a permis de redécouvrir la vraie vie en société. Tu sais, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'y a qu'ensemble que l'on peut s'en sortir. Mais vous avez raison. Demain, j'arrête. Allô? C'est Sébastien. Écoute, excuse-moi, c'était pas mon brevet, mais c'était notre brevet. T'inquiète pas, je vais faire le nécessaire.